suis actuellement en quatrième année de journalisme, dans une classe spécialisée journaliste reporter d'image. Et aussi à côté, je suis en stage dans une boîte de production qui s'appelle Réservoir Prod. Ma spécialisation en JRI, c'est venu assez tard dans ma formation, parce qu'il faut savoir qu'on commence avec un tronc commun. Et au début, au niveau du post-bac, j'étais beaucoup plus axé sur la presse écrite. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert les nouveaux médias, donc la radio, la télé, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la vidéo, c'était le média que je trouvais personnellement le plus complet. Et c'est ce qui m'attirait le plus. C'est là qu'il y avait le plus de challenges. Donc du coup, je me suis dit, bon, un peu la presse écrite, on va mettre ça un peu de côté, mais on garde ça derrière et on va aller voir la vidéo quand même. Je pense que le point fort de cette formation, c'est avant tout nos intervenants. Donc on rencontre beaucoup de professionnels. Donc il suffit un peu d'aller un peu plus loin que le cours, d'aller leur parler après. C'est des gens qui sont là pour nous, pour nous aider. Le cours qui m'a le plus marqué, ça sera vraiment montage et tournage. Parce qu'on a la chance d'avoir le matériel pour pouvoir s'exercer. Un matériel souvent qui est professionnel. Donc on s'exerce avec des outils que les professionnels ont aussi. C'est vraiment la matière où on arrive le soir chez soi et on se dit « je sens que j'ai progressé, je sens que j'ai appris quelque chose ». Mon meilleur souvenir à l'ICP, ça restera sûrement lors de ma deuxième année. J'ai pas un don exceptionnel pour faire de la télé ou même de la radio. Je suis plus quelqu'un qui va être derrière la caméra, d'où ma spécialisation en journaliste reporter d'image. Et le prof me l'avait dit dès le premier jour que oui, je n'avais pas forcément de bonnes bases, mais il a quand même continué de me stimuler tout au long de l'année, me faire bosser, etc. Alors que j'avais pas le talent forcément pour ça comparé à d'autres qui sont déjà très bons. Et ce prof-là a continué de m'accompagner vraiment tout le long de l'année. Et à la fin, il m'a donné un très bon commentaire sur mon année en disant que j'avais fait des progrès exceptionnels, que j'avais très bien travaillé et que malgré le fait que je partais de zéro, j'ai réussi à vraiment avoir une présence plateau et une bonne voix et qu'il était fier de moi.